Bienvenue au dévoilement des maîtres éleveurs 2020. Je suis Vincent Landry, chef de la direction de Hosting Canada. Je salue tous les membres, administrateurs et administratrices du conseil d'administration, des branches et des clubs, commanditaires, partenaires de l'industrie, invités internationaux et tous les passionnés Hosting du monde entier qui vont partager cette soirée avec nous. C'est votre soirée. Welcome to the unveiling of the 2020 Master Breeders. My name is Vincent Landry. I'm the CEO of Hosting Canada. I want to say hello to all the members, board, branch, directors and clubs, sponsors, industry partners, international guests, and all Hosting enthusiasts from around the world with us tonight. Tonight, it's your evening. Welcome, Brad. How are you? I'm good, Vincent. What about yourself? Really good. Excited. Great. Me too. It's going to be a great evening. I'm Brad Eggink, Manager of Classification and Field Services. We are honored and excited to be your MCs this evening and to introduce to you the presenters and sponsors tonight. The Master Breeder Award is one of the most prestigious honors in the dairy industry, one of history. It recognizes producers who year after year have bred cows that have it all: the Canadian kind, production, longevity, health, and great conformation. These are cows that are healthy and live long. This award represents the animals in a 16-year window. Nous sommes vraiment heureux d'être vos maîtres de cérémonie ce soir et de vous présenter les invités spéciaux qui vont vous dévoiler le nom des lauréats et aussi nos commanditaires pour cette belle soirée. Le titre de maître éleveur est l'un des plus prestigieux de notre industrie. Il vient récompenser les producteurs qui, année après année, élèvent des vaches qui ont toutes les qualités. Le modèle canadien, une vache avec une production élevée et une conformation exceptionnelle. Une vache en santé qui dure longtemps dans vos troupeaux. Pour ce titre, les animaux contribuent au pointage sur une période de 16 ans. Ce soir, Brad et moi représentons le conseil d'administration de Hosting Canada. Tonight, Brad and I are here representing the board of Hosting Canada. It's important for all of us here at Hosting Canada to let you know amidst these times of COVID that we have taken every precaution necessary according to the Ontario regulations and operational plan of COVID-19 for Ontario. As you can see, Vincent and I are well in 6 feet apart, and if the evening goes well, maybe even further apart, eh, Vincent? Alors, pendant la planification et le déroulement de cette soirée, comme vous avez pu le constater, nous respectons toutes les règles du plan COVID-19 pour la province de l'Ontario. Well, why don't we get a little flavor of how the evening's going to go? We have the families, get this, Vincent, of all 70 prefixes that are nominees and contenders for a Master Breeder Award this evening. They're live in their homes with us tonight. These families represent the top 10 in each Master Breeder category. Alors, comme Brad l'a mentionné, les 70 préfixes et les familles qui prétendent au titre de maître éleveur sont en ligne avec nous ce soir, directement de leur salon. Ces familles représentent les 10 meilleurs troupeaux de chacune des catégories des maîtres éleveurs. Alors, à vous les familles, on veut vous entendre. Let's make some noise! Well, Vincent, let's go talk to one of those nominees. Blois Thompson from Prince Edward Island. Him and his family are here with us from Eastside Holsteins. Blois, there he is. There we go. Blois, how are you tonight? Hey, I'm great. And it's a pleasure to be here tonight with Well, we're happy to have you, boys. What does it feel like to be a nominee tonight? Well, it's wonderful. You know, it takes a lot of dedication and passion to win one of these awards, and it's great that Hosting Canada can recognize our work. It's the truth. Great. And, if your name is one of those envelopes tonight, kind of like the Oscars, what would you do if you won? I'll get my family around here for sure, and we'll definitely celebrate. And I'll have to give a big shout out to my staff who do a lot of the work right now. And it's great that Hosting Canada has done this. The past year has been very difficult, and we need a way to bring the whole family
finally back together. And I think Holstein Canada, you're doing an excellent job with this tonight. And I want to give best of luck to all the people that are possible winners tonight. Thank you so much, Lois. Stay good safe. Luck for tonight. Stay warm. Alors maintenant, nous allons aller rejoindre une autre famille bien connue qui prétend au titre ce soir, la famille Boulay. Hello. Bonsoir, la famille Boulay. Ça va bien? Ça va super bien. On est content de vous voir. Est-ce qu'il y a d'autres gens un peu autour de vous parce que vous êtes une grande famille? Est-ce qu'il y a juste vous trois à l'écran ou il y a d'autres gens autour? Non, on est un petit peu plus. On est 7-8. C'est bon. On a une grosse bulle familiale chez nous. C'est bon. On est heureux de vous avoir avec nous ce soir. Puis on sait que vous êtes des gens qui aiment célébrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer si votre nom sort de l'une des 20 enveloppes ce soir? Ça va crier fort. Devine, Vincent. Hey, peux-tu nous montrer comment vous allez crier fort? Yes. OK. On va sortir nos verres. 1, 2, 3, go, gang! C'est bon, on vous souhaite bonne chance. Merci, on est content de vous avoir avec nous ce soir. Bonne chance. Thanks. Well, that was a great way to get the evening started. Nominees from different provinces across the country. We also have members from coast to coast and international partners with us tonight as part of your 20 presenters unveiling the winners this evening. Each of these individuals represent a special and important link to Holstein Canada and all of the services that we provide to you, our members. Alors ce soir, en plus des 70 préfixes nominés, nous avons choisi 20 personnes pour dévoiler le nom des lauréats. Il y a des membres d'un océan à l'autre et même des partenaires internationaux qui seront avec nous. Ils ont tous un lien très spécial avec Holstein Canada et nos services en 2020 et en 2021. Just going to get another better idea of how the unveiling of the evening is going to go. And we're going to talk to a young fellow. I think you might have saw him a little earlier by mistake. He's Mike Flamin, the Young and Leader Advisory Committee. He's a member of that committee. And we're going to talk to him for a minute. Alors, pour vous donner une meilleure idée du déroulement de notre soirée, on va parler justement à l'un des 20 présentateurs de la soirée, Mike Flamin. Vous l'avez déjà vu à l'écran, comme Brad disait. C'est pas Blois Thompson, c'est Mike Flamin. On est heureux de te voir à nouveau à l'écran, Mike. Yeah, feels pretty good to be holding this envelope right now. I'm excited to have the honor to present such a prestigious award and be surrounded by such Holstein royalty, other presenters with me. It's a great feeling to think that when I present this award to the person that I get to open this envelope for, they're going to be master breeders now and forever. Ça fait du bien tenir cette enveloppe. Je suis honoré de présenter un prix aussi prestigieux et d'être entouré de la royauté Holstein. C'est un sentiment fantastique de penser que je serai le premier à annoncer quelqu'un qui devient aujourd'hui et pour toujours un maître élevé. Wow! Félicitations, Mike. Merci pour avoir donné des mots en français comme ça. But just to be sure, Mike, can you show the envelope? Because you have received that envelope, eh? Still, you did not open it? No peek? I have not opened it yet. I haven't opened it yet because I want to be as excited as everybody else joining us today. Je n'ai pas regardé. Je souhaite ressentir la même que tout le monde qui se joint à nous. Really good, Mike. Thanks. Good job. So tell us, Mike, what's the most exciting thing? What's the most exciting thing about being a presenter tonight? Oh, just like I said, somebody's going to win this and they'll be a master breeder for the rest of their life. Like when you're a young guy, it's something you think about when you're growing up. Some kids want to win the Stanley Cup, but I want to be a master breeder just like these people. So I think it's going to be all right. I'm pretty excited for them all. That's great. Thanks, Mike, for joining us. Thank you, Mike. See you later. Alors, c'est parti pour notre belle célébration. Et pour débuter la soirée, merci d'accueillir avec nous le président de Holstein Canada. Let's get our celebration underway. To kick off the evening, please welcome the president of Holstein Canada,
Gerald Skipper. Welcome, Gerald. Hi. As Vincent said, I'm Gerald Skipper, president of Holstein Canada, and it's my pleasure on behalf of the board of directors to extend a hearty welcome to each and every one of you. I've heard so many times in the last little while saying that the pandemic hasn't changed history, it has perpetuated history. And it's because of this that we've adapted to new ways to make this presentation this evening. I want to congratulate Vincent and his team for adopting to new technology to make this unveiling of our master breeders to a much larger audience than we would have ever been able to do so before. I also want to recognize each and every one of our members that have done such hard work daily and used all our services to enhance their herd and also make it more efficient. And not only used our services, but also be able to use the services of our industry partners. Also want to extend a warm welcome to our international viewers who share in this same ideology of breeding a better cow. Thank you for using our services to get to that goal. Also, I want to say thank you to our sponsors for this evening. Also to all of you that are involved in the announcing and the sharing of recognizing the master breeders. And especially want to reach out and congratulate all the winners as you are being recognized as new master breeders of Holstein Canada. We realize that this is the first time we're doing this, but may this be the beginning of much greater things to come. Thank you for participating. Back to you, Vince and Brad. Thank you, Gerald. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Gerald, for those inspiring words. Always a pleasure. Before we begin the formal reveals, please welcome a message from Canada's Federal Ag Minister and the Member of Parliament of Compton-Stanstead. She's the first woman in Canadian history to be appointed to this role, and she works with the provinces, territories, and ag stakeholders to ensure the well-being of farm families. Alors, avant de commencer à vous dévoiler les lauréats, voici un message de la ministre fédérale de l'Agriculture du Canada et membre du Parlement pour Compton-Stanstead. C'est la première femme de l'histoire du Canada à avoir été nommée à ce poste. Elle travaille avec les provinces, les territoires et les intervenants agricoles pour assurer le bien-être des familles agricoles. Voici l'honorable Marie-Claude Bibeau. Here is the honorable Marie-Claude Bibeau. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de joindre les producteurs et les productrices, membres de l'industrie, pour cette célébration de l'excellence. Good evening, everyone. I'm happy to join producers and industry leaders here in Canada and around the world for this celebration of excellence. Congratulations on moving the Master Breeders to a virtual event. You're making it work, but I know we're all looking forward to renewing our social connections at all the shows and meetings through the year. The Master Breeders, who will be named shortly, will be honored for their excellence in the craft of breeding top dairy genetics. But excellence doesn't stop with them. Excellence is a culture that runs throughout the entire Canadian Holstein industry and the entire Canadian dairy industry. Over the past 50 years, advances in Canadian dairy genetics have helped Canadian dairy producers to triple their production while increasing sustainability. Today, a glass of milk has one-third the environmental footprint it had in the 1950s. Beyond our shores, our world-class dairy genetics fly the flag of Canadian excellence, with exports of almost $120 million helping almost 75 countries around the world increase their dairy production sustainably. In my riding in Quebec, Eastern Townships, and across Canada, Canadian dairy farmers support the vitality of our rural communities. And they supply us with the world's best dairy products and continue to do so despite the financial and emotional pressures of the COVID-19 pandemic.
J'ai eu l'occasion de visiter les fermes laitières comme la vôtre partout au Canada. Vous m'avez parlé de l'importance du système de la gestion de l'offre pour l'avenir de vos entreprises. Étant moi-même députée d'une région qui compte près de 500 fermes laitières, j'ai à cœur le bien-être et le développement de nos fermes familiales. Notre gouvernement a promis de soutenir le système de la gestion de l'offre au Canada et nous avons tenu parole. Nous respectons notre engagement à indemniser pleinement et équitablement nos producteurs et nos productrices sous gestion de l'offre pour les répercussions des accords avec l'Europe et la zone transpacifique. J'ai annoncé en novembre que le versement de l'enveloppe de 1,75 milliard de dollars pour compenser les producteurs laitiers se fera sur 4 ans plutôt que sur 8, et ce, sous forme de paiement direct. Les producteurs laitiers devraient déjà avoir reçu la lettre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada qui leur explique la procédure à suivre pour obtenir le deuxième versement des compensations. Les producteurs canadiens se partageront des paiements de l'ordre de 468 millions de dollars pour les 3 prochaines années, ce qui équivaut à 38 000 $ pour une ferme moyenne de 80 vaches, et cela en fonction des quotas au 31 octobre. In November, I announced $1.75 billion in direct compensation payments for dairy producers. Dairy producers should have received by now a letter from Agriculture and Agri-Food Canada with instruction on how to access the second payment under the Dairy Direct Payment Program. Canadian producers will, altogether, share payments of $468 million for the next 3 years. This year, an 80-cow farm could receive approximately $38,000. Our commitment to compensate dairy farmers was originally set for an 8-year schedule, but we fast-tracked it to roll out over the next 3 years. This gives dairy farmers the certainty and predictability they have been looking for. To receive your payment, you will need to register with the Canadian Dairy Commission before March 31st, 2021. Notre engagement pour indemniser les producteurs laitiers était fixé pour un calendrier de 8 ans, mais nous avons accéléré le déploiement sur les 3 prochaines années. Cela donne donc aux producteurs laitiers la certitude et la prévisibilité qu'ils recherchaient. Pour recevoir votre paiement, vous devez vous inscrire au programme auprès de la Commission canadienne du lait avant le 31 mars 2021. Nous avons aussi réitéré notre engagement à indemniser les producteurs laitiers pour l'accord avec les États-Unis et le Mexique et à indemniser les transformateurs laitiers pour les 3 accords de libre-échange récemment signés. Nous nous sommes aussi engagés à ne plus céder de parts de marché sous gestion de l'offre lors des prochaines négociations. Je vous remercie donc une fois de plus pour tout ce que vous faites pour le Canada. Merci aux maîtres éleveurs qui seront honorés ce soir. Vous êtes vraiment la crème de la crème. Profitez bien de cette célébration et je vous souhaite une année fructueuse. Merci d'avoir été des nôtres et merci pour votre message, Madame Bibeau. Thank you for joining us and for your message, Madame Bibeau. Pour notre première ronde de lauréats du titre Maître éleveur, nous commençons avec la catégorie 7. Cette catégorie représente les troupeaux qui enregistrent en moyenne 60 animaux et plus par année. La catégorie 7 est commanditée par CIMEX. Well, what do you think, everybody at home? Time to get this presentation started? Our first round of Master Breeder Shield recipients, category 7. This category represents the herds that have a registration average of 60 animals or more per year. Category 7, sponsored by our friends and industry partners over at CIMEX. Congratulations to the 2020 Master Breeders as you join the ranks of the most elite breeders across Canada. You are joining an exclusive group, some for the first time and some once again. Thank you for showcasing superior management and genetics to the world. We've always been proud to be owned by Canadian farmers to serve Canadian farmers. Congratulations from the entire CIMEX family.
Thank you, Merci, to C-Max for helping us make this evening possible. For the first Master Breeder reveal, here we go, of the evening, we're going to go back to President Gerald Skipper. Gerald? Thank you, Brad and Vincent. It is indeed with great pleasure that I get to open the first envelope this evening to announce the new Master Breeder from Category 7. And the winner is, from Ontario, Duolane Holsteins. All right! Woo-hoo! Congratulations, Duolane. Congratulations, Duolane. How do you feel? Feeling good? Excellent. Congratulations et félicitations to Duolane. Our next presenter is the North American editor of Holstein International, Mr. Doug Savage. He has been the editor of this publication for over 20 years, and the magazine's relationship with us here at Holstein and with the Canadian Holstein industry is an incredibly valuable one. Through the pages of this publication, Holstein International, the association has formed a great partnership and relationship with international audiences over the years. Doug and Holstein International have offered great exposure for Canadian genetics and our members. Welcome, Doug. Notre prochain invité est l'éditeur nord-américain du magazine Holstein International, Doug Savage. Cette publication a toujours fait une place très spéciale à la Holstein canadienne. Merci pour la grande visibilité que vous offrez aux éleveurs et à la génétique canadienne dans le Holstein International depuis plus de 20 ans. Doug, it's your turn. Thank you, and it is indeed my great honor to be able to present to our second winner for the evening. From British Columbia, Lavender. Lavender! Congratulations, Lavender! How's it going? Pretty good. Happy for you guys. It's a good news. Thank you very much. So congratulations, Lavender. Notre prochain présentateur est John Weaver, président de l'Association canadienne de génétique du bétail. La CLGA travaille au nom des producteurs laitiers pour leur ouvrir les portes de toujours plus de marchés à travers le monde et pour faire la promotion de la génétique canadienne mondialement. Il joue un rôle important dans les protocoles et les normes pour que notre cheptel national laitier continue de rester en santé et d'être reconnu comme l'un des meilleurs au monde, permettant ainsi aux producteurs de continuer à exporter de la semence, des embryons et des animaux vivants. Merci d'être avec nous, John. Our next presenter for the evening is Mr. John Weaver, the president of the Canadian Livestock Genetics Association. The CLGA works on behalf of dairy producers to make more markets around the world available to Canadian genetics and promotes Canadian genetics worldwide. They are an important and integral part of protocols and standards to keep the health of our national dairy herd recognized as one of the best to maintain market access for exporting semen, embryos, and live animals. Thank you for joining us, John. Thank you. And on behalf of the CLGA, it's an honor to present the third award this evening. From Alberta, Thorn Spick Holsteins. Congratulations. Yeah. Congratulations, Thorn Spick. How do you feel? Yeah. Awesome. Pretty good, eh? Yeah, that's great awesome. To see you guys. Congratulations. Congratulations to Thorn Spick. Our next presenter is a representative of Holstein Canada Young Leaders. The Young Leaders program is a place for Holstein enthusiasts ages 19 to 30 to connect with one another and to learn from one another about each other's farms and about the dairy industry. The advisory committee, made up of young leaders from across Canada, guides the programs and provides incredible and valuable insight to the board of Holstein Canada on the programs we provide. You saw this young gentleman a little earlier tonight, Mike Flamin. He sits on this young advisory committee.
and he farms at home with his family farm with Chris Addy in Vibank, Saskatchewan. Alors, le programme des jeunes leaders permet aux passionnés Austin âgés de 19 à 30 ans de rentrer en contact avec d'autres jeunes tout aussi passionnés qu'eux et d'en apprendre plus sur l'industrie laitière. Notre comité consultatif est composé de jeunes leaders originaires de partout au pays. Ce comité guide le programme Jeunesse et apporte sa précieuse perspective au conseil d'administration sur les différents programmes de Austin Canada. Alors, nous allons rejoindre l'un des membres de ce comité que vous avez déjà vu plus tôt. Hello again, Mike. So it's your turn to present. Now you can open the envelope. Smile. I get the opener. Okay. It's my honor from Prince Edward Island, Valleyville Holsteins. Hey, Valleyville. Valleyville, wake up. Hello again, Mike. So it's your turn to present. Now you can open the envelope. You think they heard us? Okay. I hope they hear. I don't know if they heard us or not. Valleyville, you guys there? From Prince Edward Island. Yeah. Valleyville. Oh, there we go. Yay! It's you, Valleyville. There it is. Finally. Happy for you. Oh, congratulations again, Valleyville. Pour présenter le dernier lauréat de la catégorie 7, merci d'accueillir notre ami Pierre Lampron, président des producteurs laitiers du Canada. Austin Canada et les PLC travaillent en étroite collaboration au nom des producteurs laitiers canadiens. Nos deux organisations travaillent main dans la main pour mettre en place un climat de transparence et de confiance avec les consommateurs envers les produits laitiers, qui sont le fruit du travail de nos membres. Ce sont des initiatives comme ProAction qui nous permettent de le faire. Le logo de la vache bleue est le symbole de produits laitiers canadiens de qualité. To present the final winner in Category 7, please welcome our dear friend and industry partner, Pierre Lampron, President of Dairy Farmers of Canada. Holstein Canada and DFC are so closely intertwined, working together on behalf of Canadian dairy producers. Together with you, our producers and our members, we create the consumer transparency and confidence in the brand and product produced by you, our members, through ProAction and other initiatives. The Blue Cow logo is the sign of quality Canadian-made dairy products consumers buy on their store shelves. Bienvenue et welcome, Pierre. Mais bonsoir à toutes, bonsoir à tous, good evening. Au nom des producteurs laitiers du Canada, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour célébrer l'excellence des éleveurs et leur contribution à l'amélioration de la race Holstein. Par le fait même, je voudrais reconnaître la résilience de tous les producteurs laitiers qui, au cours de cette dernière année peu ordinaire, ont démontré que l'on pouvait compter sur eux pour produire un lait de haute qualité tout en souscrivant à des normes parmi les plus élevées au monde. I can tell you that as a president of Dairy Farmers of Canada and as a dairy producer, I am very proud of the commitment we have made to support our communities, to donations, to food banks across the country. Sur ce, c'est un honneur pour moi de nommer le dernier lauréat de la catégorie. J'ai mon enveloppe. De Québec, Boulay. Content pour la famille Boulay. On avait bien fait de vous préparer un petit peu tantôt. Très content pour vous. Félicitations. Félicitations. Congratulations, Boulay. Thank you, Monsieur Lampron. Champagne à Boulay. And congratulations again to Boulay. We're going to take a short break. And we're going to be right back with the winners from Category 6. Please don't forget to check out our Facebook and Instagram accounts for a fun contest. Snap a picture showing how you are celebrating this evening and pop it in the comments on social media. Tell us where you're watching from to win some great prizes. Alors, je vous invite à aller voir nos comptes Facebook et Instagram. Nous avons préparé une petite surprise pour vous. Prenez une photo de vous pour nous montrer comment vous fêtez cette soirée. Et envoyez-nous votre photo dans l'espace commentaire. Dites-nous depuis quel endroit du pays ou de quel pays vous suivez cette soirée. Il y a de beaux prix à gagner pour vous et restez connectés. Stay tuned. We're going to come back after a few,
after 5 minutes. Welcome back. Hope you got a chance to get a drink, maybe settle back into your seats. We're going to move on to category 7. Just a little side note before we get started, though. We have over 1,000 connections live here tonight already at the beginning of the evening. Pretty exciting. Moving on to category 6. This is the category that represents herds that have a registration average of 40 to 59 animals per year. Alors, comme Brad l'a mentionné, pendant la pause, nous avons été capables de voir combien de connexions nous avons jusqu'à présent. Nous avons au-dessus de 1000 connexions jusqu'à présent. C'est complètement fou, Brad, au-delà de nos attentes. Alors, installez-vous confortablement chez vous. Nous, on a pris le temps de se dégourdir un peu, de prendre un petit verre. Alors, nous sommes maintenant prêts à dévoiler les lauréats de la catégorie 6. Cette catégorie représente les troupeaux qui enregistrent en moyenne 40 à 59 animaux par année. Et cette catégorie est une commandite de Jeffo. Mon frère et moi, on est partenaires depuis 2001. Présentement, on est 300-320 vaches en lactation avec un total de 650 têtes. Notre première préoccupation, André et moi, c'est toujours une production le plus simple possible. Donc, éviter des sources de problèmes, renforcer le système immunitaire, avoir des vélages plus simples, moins d'intervention. Fait que, on a eu des très bons résultats, honnêtement, de ce côté-là, avec un premier produit de Jeffo. Puis ça s'est vraiment avéré très positif. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on l'utilise, justement pour ça. C'est une compagnie qui partage bien la connaissance. Travailler dans un environnement qui est toujours en changement, Ça amène son lot de défis, puis travailler avec une bonne équipe autour de nous autres. Fait que c'est ça qui donne le goût de continuer puis faire évoluer l'agriculture. Thank you and merci, Jeffo, for helping us make this evening possible. Our next presenter is here on behalf of all of our amazing provincial branches. The members, you good folks watching tonight, make up the clubs and the branches that discuss and develop the ideas which make and keep our services relevant and growing to your needs. Thank you to all of you, to all our members, for your commitment to your local clubs, to each other, to your branches, and to the board members at all levels. Because of you, you keep Holstein Canada alive and rich. The next Master Breeder Reveal, representing this vital and important section of our industry, is the British Columbia Branch President. Notre prochaine présentatrice représente toutes nos fantastiques branches provinciales. Nous disons merci à tous les membres pour votre implication dans votre club local, votre branche et dans les conseils d'administration à tous les niveaux. C'est vous qui enrichissez la vie de Holstein Canada. Merci. Accueillons maintenant la présidente de la branche Holstein de la Colombie-Britannique, Angela Hamming. We welcome Angela Hamming, president of Holstein BC. And it's my honor to present the next Master Breeder. From Nova Scotia, Lelavan. Congratulations. How do you feel, guys? Great.
So congratulations again. Enjoy your evening. Yeah, thank you. How come that thing's up in the middle of the street? Le prochain présentateur est un membre qui utilise nos services de génotypage pour améliorer son troupeau. David Rajot de la ferme Greenbelt Farm à Wainwright en Alberta. Le génotypage a été introduit dans notre industrie en 2009 et a changé la manière dont les producteurs comme David prennent leurs décisions d'élevage. La ferme Greenbelt utilise tous les services d'Austin Canada depuis de nombreuses années. Ils ont commencé à utiliser la génomique pour les aider à identifier les animaux de qualité supérieure et décider de ceux qu'ils allaient garder ou vendre. Ils utilisent désormais la génomique pour identifier les femelles sur lesquelles ils vont utiliser la semence sexée, conventionnelle ou de boucherie pour bâtir un troupeau d'animaux de qualité. Au printemps prochain, les membres Austin Canada peuvent s'attendre à voir une nouvelle approche dans nos services pour la génomique arriver sur leur ferme. Our next presenter this evening is a member that uses our genotyping services to improve his herd. David Rochette of Greenbelt Farms in Wainwright, Alberta. Genotyping entered our industry over a decade ago in 2009, and in that time, it has changed how producers like David make on-farm decisions. Greenbelt has been a full-service Holstein Canada herd for many, many years. They started using genomics to help identify animals and which ones were superior to keep or sell. Move forward, further on, they are now using genomics to identify which animals to breed to sex semen, conventional semen, and beef semen to build a herd full of strong females. Members can look forward to a new genomic approach that Holstein Canada has to offer to our services coming to farms in spring of 2021. Bienvenue, welcome, David. Thank you. And the winner in this category is from Ontario, Mariella. What? Congratulations. That's what we like to see. Congratulations. Felicitacion, Mariella. Thank you. Way to go, guys. Our next presenters are familiar to us, to the Canadian dairy industry. Bonnie Cooper and David Knapp were part of the Holstein Journal team for many, many years and involved in the All-Canadian contest. The board at Holstein Canada and the show committee here are happy to have this contest now under Holstein Canada's guidance going forward. We wanted to take a minute to thank the English family and remember the passing of Peter English and all of his dedication and all the members of the Holstein Journal team for making this contest so important and well-respected. We hope to benefit from Bonnie and David's guidance to maintain and evolve this prestigious contest and give it a good home for the future. Alors, nous allons bientôt rejoindre Bonnie Cooper et David Knapp. Ils ont fait partie pendant de très nombreuses années de la belle équipe du Holstein Journal. Et ils étaient également aussi impliqués dans le concours All-Canadian. Notre conseil d'administration et notre comité des expositions sont heureux d'accueillir ce beau concours sous l'égide de Holstein Canada. Nous tenons à remercier la famille English et tous les membres de l'équipe du Holstein Journal pour avoir fait de ce concours un concours si respecté dans l'industrie. Nous espérons nous appuyer sur les conseils de Bonnie et David pour nous assurer que ce concours garde tout son prestige et son lustre et qu'il puisse continuer d'évoluer. Holstein Canada va prendre grand soin de ce concours dans l'avenir. Alors, bienvenue, welcome, Bonnie and David. Thank you, Brad and Vincent. Congratulations to all of this year's Master Breeder winners. And the next winner is... from Prince Edward Island, Berkentree Holsteins. Congratulations. Congratulations, Berkentree. So, thank you, David. Thank you, Berkentree, again. Yes, time to celebrate. Hello there, Emily. Hello, Emily. Brad, savais-tu que l'année 2019 a été la deuxième année, la 2020, Brad, a été la deuxième année avec le plus grand nombre d'enregistrements de tous les temps pour Holstein Canada, avec plus de 308 000 enregistrements. C'est énorme. Crabble. Les producteurs sont nombreux à enregistrer leurs animaux pour obtenir des informations génétiques dont ils ont besoin pour appuyer leurs décisions d'élevage.
Certaines des plus grandes fermes du pays tirent énormément de valeur de cet outil-clé. De plus, nous sommes le seul pays au monde qui compte plus de 70 % d'adhésion de la part des producteurs laitiers. Merci à tous nos membres pour votre confiance envers les services d'enregistrement. Pour représenter ce service, nous avons avec nous Jessica Landry de la ferme Landrinoise. Cette ferme fait partie des 5 fermes qui soumettent le plus d'enregistrements au pays. It's incredible, Vincent. And I know you are, and we all are, very proud to serve our members who believe in the value of registration. Over 308,000 registrations last year. Many producers use registration to get the genetic information needed to support their on-farm decisions. Some of the largest farms across the country get great value from this key tool. We are the only country in the whole world that has a per capita for registration of milk shippers of over 70%. That is something to write home about. Thank you to you, all of our members, for your commitment to the registration services. To represent this service, we are joined by a representative from one of the top 5 herds in the country based on total number of registrations in a year, Jessica Landry of Ferme Landry Noise. Welcome, Jessica. Bienvenue, Jessica. Bonsoir. J'ai l'honneur d'annoncer le prochain gagnant, de Québec, Ferme Répel. Yes. Ouais. Félicitations, Ferme Répel. Félicitations, Ferme Répel. Comment ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça? Ça fait plaisir. Ça va très bien. All the smiles. It's just so great to see the smiles. Félicitations, congratulations to Ray Pell and to all the winners from Category 6. Before we begin our next round of winners, let's take a moment to recognize the winners of the 2019 Master Breeder Award. We all know COVID has changed a great deal of our year, and no different for these winners last year. Due to COVID, they were unable to receive their awards for Master Breeder at the 2020 National Holstein Convention. In turn, we hope to pick up the special evening at the 2021 convention in Ottawa this coming July. Alors, comme vous le savez, l'année dernière, tout a été bousculé à cause du COVID-19, ce qui a empêché d'avoir notre gala des maîtres éleveurs pour les récipiendaires de l'année 2019. Nous espérons au Congrès national qui s'en vient en juillet en 2021 à Ottawa pouvoir les célébrer comme il se doit. Cette reconnaissance, ce soir, nous voulons vous souligner encore une fois pour votre mérite et votre accomplissement et nous allons vous présenter une courte vidéo qui vous est offerte par le groupe Solio Coopératif. This recognition and this video is brought to you by Solio Cooperative Group. Au nom de Solio Groupe Coopératif, c'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour souligner l'excellence de nos producteurs agricoles qui se distinguent une fois de plus dans le programme des maîtres éleveurs de Holstein Canada. L'année dernière fut une année particulière sur tous les plans, mais il ne faut pas oublier de rendre hommage à celles et ceux qui s'y sont démarqués. C'est pourquoi nous tenons à féliciter les lauréats maîtres éleveurs de 2019. Congratulations to the 2019 Master Breeder winners. Solio Cooperative Group is proud of its cooperative origins. Deeply rooted across Canada, Solio has evolved seamlessly with a focus on member services and helping to build our community. As a leader in the Canadian agriculture and agri-food with 15,000 employees, 3 divisions, Solio Agriculture, Olimel, and BMR, and over 50 partnerships. Solio Cooperative Group is proud today to highlight excellence with this year's Holstein Canada Awards. Ces nouveaux maîtres éleveurs se distinguent par leur détermination. Ils deviennent des références dans l'élevage de troupeaux équilibrés qui font la renommée mondiale du Canada. Les lauréats de 2019 s'ajoutent à leurs collègues maîtres éleveurs de cette année puisqu'ils se démarquent par une production élevée et une conformation exceptionnelle associée à de grandes qualités en reproduction, en santé et en longévité. Bravo aux lauréats. Congratulations again. Solio Groupe Coopératif vous encourage à poursuivre sur cette voie de l'excellence. We'll be right back.
Merci à Solio Group Coopératif et encore une fois, félicitations au lauréat Maître Éleveur 2019. Again, congratulations to the 2019 Master Breeder. Passons maintenant à la catégorie 5. Cette catégorie représente les troupeaux qui enregistrent en moyenne 30 à 39 animaux par année. Cette catégorie est commanditée par Blondin Sire. Moving on to category 5, herds that have a registration average of 30 to 39 animals per year. This category is sponsored by Blondin Sires. Hi, my name is Dan Brady, and on behalf of all of us here at Blondin Sires, we'd like to take this time to congratulate all this year's Master Breeder Award winners. The Master Breeder Award is a lifetime achievement award, taking hard work, dedication, and passion, breeding cows for longevity and high production, something that we look to achieve here at our Blondin Sires program as well. So, on behalf of all of us, congratulations. Nous tenons à féliciter tous les récipiendaires du titre de maître éleveur pour cette année. Pour obtenir cette reconnaissance, vous avez dû y mettre beaucoup de travail, de détermination et de passion. Ceci représente très bien ce qui anime le programme Blondin Sires. Au nom de toute l'équipe Blondin, félicitations à tous les gagnants. Merci à Blondin Sire d'avoir commandité cette catégorie. Pour rester dans l'esprit de la reconnaissance des maîtres éleveurs 2019, nous accueillons l'un d'entre eux pour vous présenter le premier lauréat de la catégorie 5. Merci d'accueillir Yves de la ferme Charpentier, une ferme robotisée qui a reçu le titre de maître éleveur l'année dernière. Speaking of the 2019 Master Breeders, we welcome one of them personally. To present the first recipient for Category 5, please welcome Yves from Ferme Charpentier, a robotic farm that was one of last year's recipients of a Master Breeder Shield. Welcome. Bienvenue, Yves. Bonsoir, tout le monde. Donc, récipiendaire maître éleveur 2020. Royaulet. Félicitations. Félicitations, Femme Royaulet. Congratulations, félicitations, Femme Royaulet. How do you feel? Comment ça? Hey, voyons là. Oh, it never gets old. That's awesome. Thank you, Yves. Congratulations to Royaulet. Félicitations. Our next presenter tonight is Audrey Monroe, People's Choice social media star. Audrey uses her skills and drive to plan events for great causes. She has organized cow shows to raise money to support mental health services for producers and farmers. Audrey's hard work has inspired many people in the industry to continue this support, and with next week being Mental Health Awareness Week, and all of us here at Holstein Canada knowing and understanding how important mental health is, we will donate $1,000 for mental health in ag. Thank you. Merci, Audrey. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous votre star des médias sociaux. C'est vous qui l'avez choisi, Audrey Morneau. Audrey utilise ses compétences et sa détermination pour organiser des événements pour de nobles causes. Elle a par exemple organisé des expositions laitières pour recueillir des fonds et appuyer les services de santé mentale pour les producteurs et les agricultrices. Le travail acharné d'Audrey a inspiré un grand nombre de personnes dans l'industrie. Pour appuyer Audrey dans sa belle mission, et comme la semaine prochaine est la semaine de la sensibilisation de la santé mentale, Holstein Canada va faire un don de 1 000 $ pour la santé mentale en agriculture. Alors, bienvenue Audrey. Welcome, Audrey. Hi, I'm so glad to hear that. It is an honor to me to announce the next Master Breeder. So the winner is... from Ontario, Ron Bell. Congratulations. Congratulations, guys. How do you feel? Alors, merci, Audrey. Congratulations, Ron Bell. And Brad, thank I don't know much. If you know how special it is. Pretty special. This is a special one. There's not many like this one. Four Master Breeder Shields. It has only ever happened one other time before. Four Master Breeder Shields. Congratulations, Rhonda. Alors, notre prochaine plaque sera remise par quelqu'un de très spécial. Anna Quilty de Triple H Holstein de l'Île-du-Prince-Édouard. Anna est la huitième génération sur la ferme familiale.
Elle étudie actuellement au baccalauréat en sciences de l'Université de l'île du Prince-Édouard. Anna est membre junior de Hosting Canada. C'est via les 4H qu'elle a connu notre programme pour faire le suivi du troupeau familial. Grâce au service d'Hosting Canada, pour elle, c'était une évidence pour mieux suivre l'industrie, mais également pouvoir s'impliquer davantage. Nous avons remanié le programme des membres juniors l'année dernière. De nouvelles activités ont été ajoutées et également le partage du préfixe familial est maintenant rendu possible. We told you earlier we had presenters that represented genres of all areas in the industry. Let's welcome a junior member tonight, Hannah Quilty of Triple H Holsteins from Prince Edward Island. Hannah is the eighth generation on the farm. She is currently earning a Bachelor of Science degree in UPEI. She heard about the junior member program through 4-H, and she says that tracking her family's herd through Holstein Canada services just seemed like the most logical thing to do, to keep up with the industry and for herself to get more involved. Junior membership here at Holstein Canada was relaunched last year with some new activities, and family prefix sharing is now available. Bienvenue, Hannah. Welcome. Hello. And the winner is from Manitoba, Don Field. Thank you, Hannah, and congratulations, felicitacion to Donfield. Can't get them on the screen, but I'm sure they are celebrating with great style over there in Manitoba. We're going to take a short 5-minute break to stretch and get a drink. And when we come back, we'll announce the winners of our social media contest. Alors, on va prendre encore une fois une courte pause de 5 minutes. Profitez-en pour vous dégourdir les jambes et pour vous réhydrater. Au retour, nous allons annoncer le nom des gagnants de notre concours sur les réseaux sociaux. Il vous reste encore quelques minutes pour aller participer. Alors, Brad, ça va? Tu es à l'aise, Brad? I'm good. I should swallow that candy first, but I think I'm fine. Bien hydraté aussi? Comfy now? Well, getting there, yeah. Good. Alors maintenant, c'est le moment de dévoiler nos gagnants. It's time to mention our winner of our social media contest. Oh, Brad, I think I'm going to need help. What? You can't pronounce it? Sorry. Wow. I should be able to. Solars Bosma, or Bosma, tuning in from the Netherlands. Maypoint Holsteins, Martin Gregory. Alors, nous avons des prix. We have some prize for you. We're going to take your information, and you will receive your prize soon. Alors, revenons maintenant au dévoilement des maîtres éleveurs 2020. Nous passons maintenant à la catégorie 4. Cette catégorie représente les troupeaux qui enregistrent en moyenne 25 à 29 animaux par année. Cette catégorie est commanditée par Quality Seeds. Back to the unveiling of the 2020 Master Breeders. At this point in the evening, we are revealing Category 4, which represents herds that have a registration average of 25 to 29 animals per year. Our sponsor for this category, Quality Seeds. Hello to the 2020 Master Breeder Award winners. My name is Ari Eckstein, and I am the owner of Quality Seeds. We are proud sponsors of this year's event, and we are very happy to congratulate you on this amazing accomplishment. Winning a Master Breeder Award is something to be extremely proud of, and
and takes a tremendous amount of effort and work. Congratulations to everybody. We hope you enjoy and spend a lot of time celebrating with your families and fellow co-workers on winning this amazing award. For something so small, it sure does matter a lot. Forage is all we do, all we know. Every day brings new choices. And even choosing the smallest of things can matter a whole lot. Thank you, Merci Quality Seeds, for helping us make this evening possible. To introduce the first recipient in category four, we're turning over to a member of Holstein Canada, Terry Ferguson from Bayferg Farm. The farm is owned by Terry's father, William, and Uncle John, and was established in 1833. They started registering in 1962. Terry, her brother Blake, and cousin Scott are the sixth generation to work on this family farm. In February of 2018, they started milking in the new barn with two robots. They're milking 105 cows, bred for production, type, and longevity. Accueillons maintenant l'une de nos membres, Terry Ferguson, de la ferme Bayford. C'est le père de Terry, William, et son oncle John qui sont les propriétaires de cette ferme établie en 1833. Ils ont commencé à enregistrer leurs animaux en 1962. Terry, son frère Blake et son cousin Scott sont la sixième génération à travailler sur la ferme familiale. En février 2018, ils ont commencé à traire leurs vaches dans leur nouvelle étable avec deux robots. Ils traient 105 vaches et ils basent leur sélection pour viser conformation, production et longévité. Bienvenue, Terry. Welcome, Terry. Thank you. And the winner is, from Ontario, Altona Lee. Congratulations, Altona Lee. You're welcome. Is that good now? I can just leave this? I think so, yeah. Yes. Woohoo! They'll mute you. Merci et félicitations. Congratulations, Altona Lee. C'est leur quatrième plaque, ce qui veut dire ce soir, Brad, que nous avons désormais trois trophées. I'm going to close it, Jenny. Prestigieux titre. I'm going to close it. Quatre fois. High Point était le seul troupeau, le seul préfixe à avoir réalisé cette performance, et ce soir, c'est deux de plus. So, Brad? Well, you heard earlier there was only two farms in Canadian history that have ever won four plaques for Master Breeder. One was High Point. Just a few minutes ago, we spoke to Ron Beth, and now Altona Lee. Altona Lee, what an accomplishment. Congratulations to both of you tonight. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter ma prédécesseure, Anne-Louise Carson, qui a été la chef de la direction de Holstein Canada pendant 8 ans et qui a pris sa retraite en 2020. J'imagine que Brad est probablement un peu nerveux d'avoir ses deux patrons ici ce soir. I now have the pleasure of introducing my predecessor, Anne-Louise Carson. She was the CEO of Holstein Canada for 8 years, retiring in 2020. Brad, I think you are looking a little nervous to have your two boss beside you and here tonight. I'm fine. I'm fine. I'm completely fine. I'm still here, ain't I? Thank you for joining us, Anne-Louise. Well, it is my pleasure to be here. And you guys are rocking it. You're doing a great job. Félicitations, les gars. Ça va super bien. And it's a great pleasure to be part of the Holstein family again tonight. Alors, au nom de la famille Holstein, et non, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. On va dévoiler le nom. On va l'avoir. Ah, félicitations à la gang de passionnés de la ferme du Hibou. Félicitations, ferme du Hibou. Félicitations du Hibou. Thank you. Congratulations. Thank you, Anne-Louise. Merci beaucoup. What an accomplishment from Daibu. Our next recipients come from category three. Herds in this category have a registration average of 20 to 24 animals per year. Nous passons maintenant à la catégorie 3. Cette catégorie représente les troupeaux qui enregistrent en moyenne 20 à 24 animaux par année. Notre commanditaire pour cette catégorie, our sponsor for this run, is
ST Genetics. ST Genetics Canada congratulates the 2021 Master Breeders. ST Genetics Canada est fier de souligner les maîtres éleveurs de 2021. From our stud facility in Ontario, we support dairy producers in Canada with ST Genetics cutting-edge technologies, breed-leading genetics, and a growing team of advisors. Depuis notre centre en Ontario, nous supportons les producteurs laitiers canadiens avec une génétique d'avant-garde et une équipe grandissante de conseillers. As our industry continues to evolve, ST Genetics Canada applauds the resilience shown by dairy producers across Canada. Alors que l'industrie continue d'évoluer, ST Genetics Canada applaudit la résilience dont font preuve les éleveurs partout au Canada. ST Genetics Canada, home of 4M sex-sorted semen. ST Genetics Canada est le berceau de la semence sexée 4M, chromosomal mating, genomic testing, Vision Plus, des tests génomiques Vision Plus, and EcoFeed. Et d'EcoFeed. Merci beaucoup and thank you to ST Genetics for helping us make tonight possible. Please welcome the first presenter for Category 3, our friend from Jersey, Canada, President John van der Wielen. Holstein Canada has always enjoyed a great relationship and partnership with the other breeder organizations, working together on different projects and services and providing services for all of our members. We all bring our passion for top quality breeding and herd improvement. Accueillons maintenant le président de Jersey Canada, John van der Wielen. Holstein Canada a toujours entretenu d'excellentes relations et réalisé de beaux partenariats avec les autres organisations de race. Nous travaillons ensemble sur différents projets et nous partageons tous le même enthousiasme pour une sélection d'animaux de qualité supérieure. Bienvenue, John. Welcome, John. Thank you for giving me the opportunity to present this award. First award in category 3 from Ontario, Clay Haven. Alors, merci John. Congratulations, Clay Haven. They cannot be online with us tonight, but congratulations, and I'm sure you're going to receive a lot of calls. Notre prochain présentateur est un membre de notre équipe, un de nos classificateurs, Danny Trottier. Danny est là pour représenter tous nos employés. Nous avons un total de 90 employés au bureau et sur la route qui travaillent au nom de nos membres. Holstein Canada est reconnu comme travailleur essentiel à travers tout le pays, ce qui veut dire que nos membres continuent de voir Danny et le reste de notre équipe des services à la ferme et qu'ils pourront parler avec nos employés du bureau s'ils ont besoin d'aide avec les services, avec nos employés qui travaillent de la maison. Our next presenter is a member of our dedicated team, Danny Trottier, classifier. Danny joins us as a representative of all of our staff, 90 employees in the office and out on the road who work on behalf of you, our members, a bunch of dedicated people. Holstein Canada has received essential recognition in Canada over the last 10 months. What that means for you is that you will get to see Danny and the rest of the field team out in the field, and you'll still get the opportunity to speak to all of the office staff when you call in. Welcome, Danny. Bienvenue, Danny. Bonsoir tout le monde. Hello, everyone. Au nom de tous les classificateurs et classificatrices d'Holstein Canada, je tiens à féliciter tous les producteurs et productrices en nomination pour le titre de maître éleveur 2020. C'est vraiment un honneur et un privilège de travailler avec vous. Et sans plus attendre, voici le nom du deuxième préfixe gagnant dans la catégorie 3. De Princeville, Québec, ferme Flèche d'or. Félicitations. Congratulations. Félicitations, ferme Flèche d'or. Alors, merci, Danny. Félicitations encore une fois à Flèche d'or. Notre prochain présentateur est un membre du comité de lavage de l'année. Pierre-Olivier, de la ferme Le Houx, et ses collègues du comité sélectionnent les vaches de notre concours annuel de lavage de l'année. Nous avons reçu un grand nombre de candidatures cette année, tout près d'une vingtaine. C'est pourquoi nous allons faire appel au public pour sélectionner la quatrième finaliste. Demeurez à l'affût dans les prochaines semaines. Il y aura des promotions passionnantes et suivez le concours de lavage de l'année. Our next presenter is a member of the well-known Cow of the Year Committee. Pierre Olivier from Ferme Le Houx, well, with his fellow committee members, make the selections for our annual Cow of the Year contest. There was a lot of entries this year, so we'll be bringing some choices to you, the people, to help us pick the final four. Thank you for joining us, Pierre-Olivier. Merci d'être avec nous, Pierre-Olivier.
I think you're on mute, Pierre. We can hear him. Tammy? One sec, Pierre. Un moment, Pierre. Can't hear you. We will keep you longer. On va te garder plus longtemps, Pierre-Olivier. Okay, that's fine. Why don't you just show us the envelope, Pierre? How's his English? I don't know. Pierre-Olivier, si tu peux nous montrer l'enveloppe, parce qu'on n'arrive pas à t'entendre. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Thank you. And congratulations, félicitations to Robel. As we said, please keep an eye out in the coming weeks for a special Cow of the Year activity, where you can help select a number of the final four. We only have three recipients left to reveal, Vincent. It's been a fun and exciting night. Our next two come to us from category two. These are herds that have a registration average of 15 to 19 animals per year. Nous passons maintenant à la catégorie 2. Cette catégorie représente les troupeaux qui enregistrent en moyenne 15 à 19 animaux par année. Et comme Brad l'a mentionné, il nous reste seulement trois récipiendaires à dévoiler. La soirée passe beaucoup trop vite. Et on va aller voir maintenant notre commanditaire. And this category is sponsored by our great partner, Allflex. Our way of life is for the strong of heart. Early mornings and late nights. You're not alone. At Allflex, we live it too. And because we share your way of life, our solutions better fit your needs. What began as a simple ear tag 65 years ago is now a set of tools for more insightful decisions. We help you simplify the monumentally difficult tasks of modern livestock production. Even in these harder times, we know the sun will rise again. Warming our hope, tugging our grit, firing our determination for a better future. For 65 years, we've been at your side. And now, as Allflex Livestock Intelligence, we enter the modern era with a drive to thrive in the years ahead. Let's go there together. Merci à notre partenaire de longue date, Allflex, pour leur participation à cette soirée. Pour annoncer le nom du prochain lauréat de la plaque de maître éleveur, merci d'accueillir Élise Gendron. Elle est membre du conseil d'administration de Hosting Canada. Élise est également la présidente de notre nouveau comité sur les données et la technologie. En 2019, les membres ont envoyé 14 résolutions axées sur les données et elles ont été soumises à Hosting Canada pour analyse. Nous sommes à l'écoute des préoccupations de nos membres et c'est pourquoi nous avons créé ce comité pour mettre au point des solutions, consulter nos membres et guider l'association vers l'avenir. Please welcome Hosting Canada board member Élise Gendron. Élise is the chair of the new Data and Technology Committee. In 2019, you, our members, delivered us 14 data-driven resolutions, which were presented to Hosting Canada at the AGM. Listening to member concerns and hearing you and understanding your needs, we have created this committee to develop solutions, consult with members, and guide our association into the future and the next generation. Thank you for joining us, Élise. Merci d'être notre Élise. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'ouvrir la prochaine enveloppe qui est bien collée. Et le gagnant est Mac Paes. Oh, félicitations. Félicitations, la famille! Félicitations, Matt Paz! Look at all those smiles. Isn't that awesome? Thank you, Elise, and congratulations to Matt Paz. You know, Vincent, as mentioned earlier, joining us tonight are many people from around the world. We saw that in our contest. Somebody from the Netherlands won. We know that we have friends all over the world in this great industry. This international audience is passionate about Holstein genetics and includes fellow breed organizations, industry partners, and producers in dozens of countries who rely on the Holstein breed for their dairy genetics. One area with many strong connections to the Canadian kind and to Holstein Canada is Central and South America, which obviously includes Brazil.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Brad. Nous avons la grande chance de nouer des liens avec nos amis du monde entier. Le public international est passionné de génétique hosting. Les associations de races sœurs à travers le monde, les partenaires de l'industrie et les producteurs de dizaines de pays s'appuient sur notre pays pour leur génétique laitière. Parmi tous nos liens à l'international pour le modèle canadien, on pense souvent à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud, et notamment au Brésil. Et c'est depuis ce pays que nous avons rejoint notre prochain présentateur, Claudio Aragon, directeur du secteur laitier pour Cimex Brésil. Please welcome our next presenter from Brazil, the dairy director of Cimex Brazil, Claudio Aragon. Welcome, Claudio. Thank you very much. Well, I must say it's a very great pleasure and an immense honor to be here and invited to present such a fantastic and prestigious award. And I'll go right to it. The winner is from Ontario, Kuiper's Crest Hosting. Nice. Congratulations. Congratulations, Kuiper's Crest. Look at all those smiles. Hey guys, I thank God if we don't have seen so many happy faces tonight, we haven't seen any. I know, it's just been an incredible evening. It's made my whole week. It's just, what a thrill. Thank you, Claudio. It was great to see you again. And congratulations, felicitaciones to Kuiper's Crest. The final winner is in category one. This encompasses herds that have a registration average of 7 to 14 animals per year. Notre dernière catégorie est la catégorie 1. Cette catégorie représente les troupeaux qui enregistrent en moyenne 7 à 14 animaux par année. Le commanditaire de la catégorie, the sponsor of this category, Zoetis. We are Zoetis, the world's leading animal health company, supporting veterinarians and livestock producers for more than 60 years. For the past 5 years, we've been a preferred and proud genotyping partner with Holstein Canada. In 2021, we are excited to be working more closely with members to bring new features and benefits to genetic consultation services. We really appreciate the opportunity to personally congratulate the Master Breeders of 2020 receiving their shield this evening. Becoming a Master Breeder is an achievement of a lifetime, sometimes the effort of many generations. We want to thank you for your continued collaboration with our business and the products and services that you use on your farm. Now let me pass it over to our lead dairy production specialist with Zoetis to say a few words en français. Bonjour. Ce soir, je suis ici en représentant Zoetis, la plus grande compagnie en santé animale. Depuis les 65 dernières années, nous vous offrons des services et des produits. Nous soutenons vos vétérinaires et vous, les producteurs, qui nous supportent à votre tour depuis les 5 dernières années dans la plus grande, vaste majorité de votre génotypage. De plus, dans l'année à venir, nous vous offrirons un nouveau service et de nouvelles valeurs ajoutées pour votre génétique. Nous vous remercions de tout grand cœur de nous avoir choisi et de nous permettre de vous remercier pour avoir reçu ce soir, vous tous, les grands producteurs laitiers du Canada, d'avoir reçu le prix d'excellence de maître éleveur. C'est une longue dédication et c'est quelque chose que vous travaillez toute votre vie. Merci encore. Et de plus, je tiens à souligner l'effort de tous les producteurs et les éleveurs canadiens. Merci beaucoup pour l'agriculture durable que vous nous offrez. Merci à Zoetis d'avoir aidé à rendre cette soirée possible. Et pour dévoiler le nom de notre dernier lauréat de la soirée, la dernière plaque pour les maîtres éleveurs 2020, nous accueillons une invitée très spéciale, Karen Veltice. Karen est la présidente du comité organisateur du Congrès national 2021. To reveal our final Master Breeder, Shiel, of the evening, please welcome a very special guest tonight. Karen Veltice. Karen, the chair of the 2021 Convention Committee. Welcome, Karen. Bienvenue, Karen. Thank you, Brad and Vincent. On behalf of the 2021 National Holstein Convention Committee, I am pleased to congratulate tonight's Master Breeders, and we look forward to further celebrating with you in Ottawa in July. For the last recipient of the evening, congratulations to, from Ontario, Drew Holm. Congratulations.
Congratulations to Drew Holmes. They couldn't be with us on the screen tonight, but we send them our congratulations and congratulations to all the winners this evening. Please join us in celebrating not one, but two groups of Master Breeder recipients at the upcoming 2021 National Holstein Convention in July in Ottawa. 40 people, 40 recipients, 40 winners. Imagine the party. Nous espérons que nous pourrons vous compter parmi nous en juillet prochain pour le Congrès national. Merci d'avoir partagé cette soirée avec nous et d'en avoir fait un moment dont on se souviendra longtemps. Nous espérons que vous avez aimé cette présentation spéciale des lauréats Maître Éleveur, Brad. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que les gens à la maison en ont eu autant. Nous vous souhaitons à tous et à tous santé et bonheur pour l'année 2021. Merci à toute l'équipe. Merci à notre DJ. Thank you for joining us for the special evening and making it a night to remember. We definitely hope you enjoyed it at home. We hope you enjoyed the special presentations from our sponsors and congratulations to the 2020 Master Breeder recipients. Thank you to all of our sponsors, to all of our presenters, the tech team, and to all of you tuning in. A thank you to Vincent for co-hosting tonight. It's been a pleasure and an honor. We wish you all a healthy and happy 2021. And thank you to our DJ for the great music tonight. Andrew, please keep that music going. I'm sure people will celebrate tonight on their house. Oh, there's going to be a lot of parties. I'm sure there is. Bonne soirée tout le monde. Bonne célébration. Bonsoir. Good evening. Thank you. Oh, yeah.